Ça va, j'espère pour vous que ça va. Moi, ça va, tranquille. Donc aujourd'hui, on va faire un petit let's play sur l'arm hack Pokémon Prism. C'est la première fois que je joue à une ROM hack. C'est cette ROM hack, tout ce que je sais, c'est que elle est inspirée de Or et Argent, qu'elle est en anglais. Donc si j'ai des problèmes d'anglais, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais voilà, tout ce que je sais, c'est ça. Donc on va commencer. Je vais juste mettre le fond. Voilà. Désolée pour l'erreur technique de tout à l'heure. Hein. C'est moi qui fais n'importe quoi avec mes touches. Alors. Si vous avez des ROM hacks d'ailleurs à proposer, autres qui pourraient être intéressantes et que par exemple vous avez essayé et que vous avez trouvé super bien, bah n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai avec plaisir. Voilà. Allez, c'est parti du coup. New Games. Ok, on est combien aujourd'hui? Le 25 en 2020. Le 25 février. Hop. Et il est 21h03. Hop, 0,4 mètres maintenant. Hop. Welcome to the world of Pokémon. Ok, anyway. Peu importe. Oh, bref. The world is inhabited by creatures. Ok. Les gens et les Pokémon vivent, se supportent entre eux. Personne joue avec les Pokémon. Sam Suzy et moi étudie avec eux. Et d'autres se battent avec les Pokémon. Devient des champions. Ça c'est rouge. Le fameux. Counter Vision. Oh. Sacré team Pokémon. Oh gold. C'est nouveau ça. Mais toi, toi aussi tu es destiné. Alors, dis-moi un peu pour toi. C'est parti. Oh, il y a plusieurs modèles. Oh, trop bien. Oh, mais il y a même... comment s'appelle elle déjà? C'est une championne, elle. C'est un modèle d'une championne. De type dragon, là, je sais plus comment elle s'appelle. Putain, trop bien. Même elle, hein, on dirait un peu. Je sais plus comment elle s'appelle, la championne. Bah, d'or et argent d'ailleurs. Avec son écrémeux là. Qui a traumatisé mon enfance là. Putain, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié. Bon, moi je vais partir sur ce traumatisme. J'aime bien. Oh, tu peux choisir la couleur de peau et tout. Trop bien. Stylé en vrai. Bon, on va rester là-dessus. Hein. Oh, les petites couleurs et tout aussi. Ah, j'hésite. Hein. Le bleu clair et l'orange, il est sympa. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, on va prendre le rose-orange. Le corail. Hein. Yes. Hein. Alors, je m'appelle Sillon. Non, non, non. My name is Miriam. Miriam. Pokey. Non, on va mettre juste Miriam. Miriam. Hand.
Yes, merci pour la traduction. Are you ready? Your own Pokémon story is about to unfold. Ok. Un monde de rêve et d'aventure. C'est pas, let's go! Oh, on est où là? It's so beautiful. C'est pas beau ici, n'est-ce pas? I'm going to l'action. Ensemble. Je pense que c'est notre mère, non? Ouais, peut-être. On est peut-être en camping. Ouais, ça doit être notre mère. Parce qu'elle nous parle de notre père. Son père a toujours été un bonhomme. Un bonhomme. Great man. Good man. And he has many fans. Il a beaucoup de fans. Oh, il est connu notre père alors. C'est peut-être un champion. Ça se trouve, c'est le maître. He wants to follow his. Les doux du vent, oui. Mais promets-moi. No matter where you come life. Never forget about your dear mother. Ouais, donc c'est bien notre mère. N'oublie pas ta mère. Merci d'être venu avec moi. Bah, y a pas de problème, maman. Petit camping. Ah, on peut se déplacer. Oh, yes. Alors. Je vais juste agrandir. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh, on peut déjà avancer vite. Ah, c'est cool ça. Ok, là, y a l'eau. Ah, ok. Need some sun to keep it nice and warm tonight. Juste. Ok, fais attention. Eh, tranquille, maman. T'es je vais visiter les environs. Je reviens, tranquille. Oula. What? C'est quoi ce bruit? Ah, bah d'accord. Bah, on va pas revoir notre mère tout de suite. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Tu sais, toute l'aventure, c'est retrouver sa mère au camping. On l'a laissé notre mère au camping, elle est bloquée et on doit la retrouver. Les pompiers, où sont les pompiers? Oh, il n'y a vraiment personne et tout. C'est plus cadré sur le texte. Ah bon? Oh, damn. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, excusez-moi, j'ai fait de la merde. Bon, allô? Normalement, ça, c'est bon. C'est que j'ai agrandi pour moi. Et, bref. Normalement, c'est bon, là. Alors. Ah, il y a un monsieur. Hey, kid, are you lost? Yeah, I'm lost. Je suis perdu, monsieur. Campus up north. Ah, c'était bloqué et tout. Eh bah, t'as de la chance, j'ai un putain de wagon, non, c'est pas ça. Ah, ouais, d'accord. Non, mais c'est que je voulais agrandir et du coup, bah, j'ai fait de la merde. Sorry for that. Alors, Aquamines. C'est un Umbrellex, ça, c'est l'Umbrellex. Même s'il ressemble un peu à un dinosaure comme ça. Bon, après, c'est à la base de dinosaure, un Umbrellex, tu vois. Petit Umbrellex. Dis l'arbitre. Ah, on dit l'arbitre en anglais. Ok. Il te bloque. Bon, vas-y, je vais prendre avec moi, il n'y a pas de problème. Non, mais ouais, mais j'avoue. Et si tu passais par la grotte, comme il y a plein de d'écroulements? Allez. Non, moi je donne jamais de surnom à mon Pokémon, genre je sais pas vous, mais genre je trouve ça genre trop bizarre, ça me perturbe de ouf. En plus après j'oublie leur prénom, donc non, je ne donne pas de surnom. Oh, Lixi, les trois mèmes.
fight. Alors par contre, je sais pas ce que ça veut dire en, en anglais. Hein. Squatch and leer. Ça c'est une attaque normale, ça c'est une attaque dark. Squatch, vas-y, on va essayer attaque ténèbre. Oh, ça fait rayon laser, mon gars. Et ça lui a rien fait, le gars. J'aimerais trop le capturer, le petit, il est trop mims. Ah, donc squatch et griffe. Bah oui, je suis con. Je crache ses griffes. Ça, ça doit être rayon laser ou je sais pas quoi. J'ai jamais eu un ombrilex, donc je t'avoue, je suis pas trop. Ça lui fait pas trop d'effet, hein, griffe. Ouais, ça doit être ça. Peut-être gros yeux, mais du coup, ça est bizarre, ça fait des rayons laser. 17 points d'expérience, waouh, c'était pas beaucoup. Petit tunnel, oula. Putain, mais en fait, ça va être super chiant, on va pas être tranquille. Une minute. Le temps de trouver son chemin, moi je vous dis, ça va être chiant. Et sans les repousses là. Oui, non, mais oui, du coup, oui, c'est gros yeux. Hein. Bon, bah, on va faire à coup de griffe. Hein. Putain. Oh, une Pokéballs. Une petite potion. Allez. Putain, j'ai pas regardé dans. Dans pack si on avait des trucs. On a. Non, qu'est-ce que j'ai fait? B. C'est tout, hein. On a que des potions. Pokémon en détresse. Tout ce qui est marqué. Attaque, défense. Non, non, non. Little Quick Temple Guts. Ok. Attends, je vais voir si. Ouais, non, c'est déjà. Je... Ok, on y va. Je suis bloqué. Putain, on se courait. Dans la grotte avec que des Nosferati dans diamant là où tu sors jamais là. Le mouche je sais plus quoi là. Putain, on va vite utiliser la potion et en vrai c'est hard hein. Faut vite trouver la sortie parce que sinon tu tombes vite KO en fait là. C'est un petit peu la merde hein. En fait. Que je me dirige vers la. Bah, il y a un autre Ambrilex. Je vais avoir que ça ou quoi? What? C'est quoi ça? Ça, c'est. On peut utiliser avec force, mais on n'a pas de force. Bah, ouais, vas-y, on le fait. What? C'est passé quoi? Eh, on est un ambi. What? Commence. On est dans Donjon Mystère ou quoi? On est devenu le Pokémon, what the fuck? What the fuck? Je comprends rien, mais bon. On est devenu un Pokémon, mon gars! Alors. Je sais pas si. Tu as déjà joué à. Cet homme et quelqu'un peut m'expliquer, mais. Bon, pourquoi pas, hein. Scratch! Putain, on est dans la merde, on va falloir utiliser la petite popo là. Hein. On va utiliser la petite popo parce que c'est un petit peu la merde. Pas.
Oh putain, comme on a un Pokémon, on peut pas! Oh mon dieu! C'est la merde! Oh, j'espère que c'est la sortie là. Oh putain, on est coincé, mon gars, on va mourir. On va être KO là. Oh là 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 là. Puis on peut même pas avancer vite comme on a un Pokémon. Attendez, il y a un petit bug sur la caméra. Bon, c'est bon. Alors. Ah, il y en a encore un autre. Mais what the fuck, man? Ah, en fait, c'était ton Nombrilex et en fait, tu suivais l'autre anglaise. Ok. I'm sorry, I ran away just now. Ah, je suis juste timide. Oh, c'est trop mims. Du coup, tiens, je te donne un cadeau, merci. Ah, bah d'accord. Ah, trop bien, on peut passer du monde de Pokémon à être un dresseur, c'est incroyable ça. Incredible. Vas-y, on retourne dans le monde des humains. Wow, incroyable la transition. En vrai, j'aime trop, genre, trop intéressant comme concept. Bon, on va. Parce que. Petite popo, parce que là. Si t'es un petit peu dans la merde. Allez, on se fait attaquer direct comme ça. Ah, Maïta! Makuhita. Ah bah griffe, hein, de toute façon on peut même le. Par contre le rocher il a disparu à côté, je sais pas, j'hésite à y aller. À gauche là. Donc on va voir. Là là, on va voir. Bah ouais, je suis tombée dans un trou là. Je suis Alice au Pays des Merveilles ou quoi? Je tombe dans des trous partout. Eh, ça tombe bien, j'ai un t-shirt, lol. Fellow Traveler. You like me with Sharon. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Me too, Sharon. On a. Ah, tu veux une 13. Ouais. J'ai trouvé un trésor, voici une baie. Ah, bah d'accord. Ok, bah ça me va. Une baie au rang, quoi. C'est quoi ça? Oh! Je suis à la première ville. Du coup, ma mère, elle est toujours au camping. Genre, je l'ai laissée. Elle me dit, sois saine et sauve. Sauf que elle est toujours là en train de m'attendre. Bon, elle arrive quand? On va arriver, genre. Des mois plus tard, bonjour, je suis devenu maître de la ligue. Comment ça va, maman? Quoi? Mais je me suis inquiétée pour toi. So, where do you come from? Bah, j'étais au camping, frère, et puis ils m'ont rushé, et puis j'étais pas avec ma mère. I never heard of it. Ok. Oh, un nouveau visage. Capacity. Quoi, t'es tombé dans les trous des mines? Bah ouais. Est-ce qu'on peut regarder la télé, genre? Pokémon Center. Elle est où l'infirmière Joël là? Ah oui, elle est là. J'avais pas vu. Good evening. Bonjour. What's up? Let's find my Pokémon, please. Attends, hop, j'ai mal au dos. Je vais mettre un coussin.
Oula. Hop. De quoi? Attends, j'ai pas vu. Capacity Prof Islab, ok. Bonjour. Mais bien sûr, ça fait sens. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, qui es-tu? Mais qui je suis? Le mec. Ok, c'est le professeur Pokémon. Oh, mais c'est mon Umbrellex. Ah, c'était mon Umbrellex, frère. Ah, mais tu l'as trouvé. Tu as demandé, mais... Est-ce que tu peux me donner une faveur? Ma brother. Ok. Faut aller voir son frère qui est au nord de la ville. Sur la route 69. Ok. Prends mon Umbrellex avec toi pour être en sécurité. Ah bah d'accord. Ça va devenir mon Pokémon, l'Umbrellex, tu vas voir. Math, c'est quoi Math? C'est le magasin. Est-ce que j'ai de l'argent? Je sais même pas si j'ai de l'argent. Sorry. Ah ouais, d'accord. Non, reviens plus tard. Ouais, donc je peux rien acheter en fait. Bonjour monsieur, ça va ou quoi? Mais je suis à Hi. Ah, c'est la glace. Oh. Ah, mais je peux passer du coup. Ah ouais, d'accord. Ok, bon bah tant pis, ça, à mon avis on peut accéder plus tard. Tout tout tout. Avec Blonkit. C'est un génie des Pokémon. Famous history. C'est un fameux history. Ah bon. Route 70. Allez, on commence par les routes à l'envers nous. Si on peut rien acheter, c'est quand même la merde. Bah, j'ai une Doran quoi, mais. De toute façon, je crois pas que j'ai de sous. Hein. Ok. Man, this snow is well deep. Je peux. Oui, ben ça, je sais que je peux courir plus vite avec B. Merci. Oh, c'est marrant dans la neige comme ça. Quoi, déjà des rappels? Déjà, mais non. Déjà, si tôt? T'as 10 ans, t'es pauvre. Quoi? T'as un problème? Bah ouais, mais... Mais d'habitude, tu commences avec un petit peu de monnaie, tu vois, genre... Puis je te signale qu'à 10 ans, après, tu deviens riche, hein. Force de taper sur les Pokémon des autres. Et oui, j'ai vu, c'était pas des rappels, mais j'ai pas tout compris à quoi ils servaient. Faut que je regarde, mais en fait, on m'aurait dit des rappels.
Ah, c'est des repousses en fait. Oh. Pff. En même temps, quelle idée de rappeler ça à Ripper en anglais. Vas-y, on va utiliser un petit repousse. Excusez-moi, mon anglais il est pas fameux, mais j'avoue que rappel Ripple, je fais. Une antidote! Bon, après, en tout cas, faut quand même que j'entraîne mon Pokémon, donc. Ok. Là, il y a une grotte, c'est une. Un tunnel, d'accord. Il est sans fin ce tunnel? Il n'y aura pas fin ce tunnel. Tu courras et tu courras, mais. Oh non, je merde, j'ai utilisé une. Bon, tant pis. Ah bah non, ça marche pas. Par contre, il est sans fin ce tunnel, on est d'accord, hein. Putain, il y a plein de Pokémon que je vais capturer, mais je peux pas, j'ai pas de petite boule. Purue. Je sais même pas si tu peux capturer d'autres Pokémon dans cette version. Dans la merde, on peut pas fuir. Ah si, on va run. Nous on est faible. Hein. Mais attends, le tunnel est sans fin et le Pokémon est trop fort. Oh non, pas le Nosferatu, il est partout, putain. Non mais c'est pas possible, je vais retourner au magasin pour voir si je peux pas m'acheter des potions parce que là c'est pas possible, genre si tu dois aller au centre Pokémon toutes les 5 secondes. Use. Ouais, ça recharge pas grand chose quoi. Allez, t'es fort, Brilex, tu peux le faire. Oui, bien joué. Oui, non, mais je sais, mais c'est je sais qu'il est fermé pour inventaire, mais. Genre à un moment donné, je vais mourir. Y a pas un gamin dans le coin qui vend des potions, qui donne des potions là. Faut pas aller dans le tunnel déjà. Hein. Aïe aïe aïe. Ouais, je vais utiliser mes petites repousses parce que là, mon gars. Comment veux-tu que ton Pokémon il monte des niveaux comme ça? Quoi? Il a besoin de ton aide, le professeur? Mais attends! And we'll drag. Oh, sorry about complaining. Anyway. Ils aiment bien dire anyways à chaque fois. Bon, peu importe. Map. Bon, prends ça. Puis casse-toi, en gros. Ok. Vas-y, je te donne une carte. Map. Alors, découvrons la map. Spur City. Okai City. Flugstown. Donc, il y a une petite île aussi là. Battle Arcadia. Ok. Il y a une route, c'est en haut, ok. Caverne, Vincent Park. Attends, j'ai vu parfois ça varie, non? J'ai peut-être cru. Ah, mais attends, ça c'est. Les ruines, c'est. C'est par là où on commence, là, normalement, dans le jeu. Ok. Oui, mais il m'envoie parce qu'il a besoin d'aide.
Ah, il faut des coupes, ça y est déjà. Mais j'ai pas de... Coupe-moi, j'ai pas de badge. Déjà, mon Pokémon il est super faible. Ah oui, il avance tout seul maintenant. Eh, finalement, j'attendais, putain. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord, t'es juste un gamin. Ah bah d'accord. Ouais, la carte a l'air pas très grande, mais après c'est peut-être juste un effet de relief, je ne sais pas. S'il te plaît, aide-moi. Ah bah d'accord. Et toi là, le méchant. Le rire de méchant. Oh, oh, you're mine. Tu as moi. Ah le bâtard. Ouais mais du coup je suis dans la merde, moi j'ai pas beaucoup de force dans mon Pokémon. C'était pas une très bonne idée en fait ce que j'ai fait. Bon c'est pas grave. Michel veut un battle, on sait pas c'est qui mais... je pars en désavantage, hein, on va pas se mentir. Hein. Aïe 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 aïe. Ah, j'espère que je vais pas devoir tout recommencer. Okay. Bon après je peux perdre mon argent, c'est pas très grave, j'en ai pas. Mais... Squash, squash. Oh là 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 là. Oh non, je suis morte. Aïe 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 aïe. Ah et t'as perdu quoi, c'est pas tu recommences. Oh c'est horrible. C'est horrible, t'as perdu, c'est horrible. Ah c'est mon rival. Mon rival c'est un connard. Comment je l'appelle? Je sais pas comment je l'appelle. La première fois je l'avais appelé Red parce qu'il avait les cheveux rouges. Dans Air Gold. Dans l'ancien Silver, parce que j'avais l'ancien Silver. Mais je sais pas comment l'appeler. Je vais l'appeler idiot. Parce que c'est un idiot. Idiot, idiot. Ah t'as raconté mon frère. Ouais je suis en PLS. Attends du coup mon Pokémon il est KO là, on est d'accord. Ah non il a retrouvé tous ses PV. Ok. C'est juste j'ai perdu Ok. Très bien. J'ai pas pris la petite Pokéball d'ailleurs. Putain. Hein hein. J'aurais dû la prendre avant. Je suis tellement deg. Je suis tellement con putain. Je l'aurais battu sinon. Putain, quelle conne. Oh mon dieu. Ah bah oui, il fallait regarder avant, maintenant ça t'apprendra. Putain. L'idiote. J'ai vu la potion qu'après, putain, je suis con. Aïe, 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 aïe. Ah bah ça m'apprendra, hein. J'ai joué, j'ai perdu. Ça va peut-être faire un truc différent. Ça se trouve, ça aurait rien changé. Je sais pas. C'était où le professeur? C'était là. Ouais. Bonjour. Et merci d'avoir sauvé mon frère. Putain, ils habitent juste à côté. Ils peuvent pas se déplacer, quoi. Mais quelle bande de finesse. Oh, et ça va. Hein. Alors, je suis bon, je suis bon, je vire plus au châtain en ce moment. Bon, maintenant je fais quoi maintenant? Il n'y a pas d'issue. Ah, il faut aller dans la grotte peut-être. Est-ce que le magasin du coup ça a bougé quelque chose? Dans tous les cas, faut que j'entraîne mon Pokémon parce qu'il est bah, faible sa mère quoi. Ah, on peut acheter. Ah, j'ai quand même de l'argent en vrai. Hein. 33 000 Pokédollars. Ouais c'est ça.
Quel monde de soleil. Pokéballs. Ah, on va pouvoir enfin capturer des Pokémon. Là. On va en prendre 5. On va prendre de la popo. Parce qu'il faut qu'on entraîne notre Pokémon aussi. Hein. Faut un petit peu farmer. C'est chiant, mais bon. On est sur Pokémon et en plus. Du coup, j'ai un Pokédex, attends. Larvitar. The deep underground is beginning to be cool. Ok. Ah, je vais trop en Ixi là. Allez, non mais attends, déjà calme-toi quand même, hein. On est déjà sur une ROM hack, prendre les Pokémon de début, on verra. Quoique, après, s'il y en a des intéressants, pourquoi pas, hein. Genre Lixie, genre j'aimerais bien Lixie, j'aime bien Lixie. je sais, comme il est apparu dans les grottes tout à l'heure, on va voir s'il pourrait pas réapparaître ici. Apparemment non, il veut pas. On va voir, on va voir. Déjà, j'aimerais bien avoir un Lixie, ça peut être pas mal. Lixie, pop! Bon, il veut pas. Je pense vraiment. C'est mort là. Je vais devoir aller dans les. Ah, attends. Faut que je vais regarder si le truc de la glace, il y a toujours le mec ou pas. Hein. Ah, il n'y a plus le mec, donc c'est on peut y aller par là en fait. Whoop! On glisse, on glisse. Ah, le premier dresseur. Non? Même pas. Ok. Putain, mais on est dans une ville où tout s'écroule, quoi. C'est ouf, ça. Ah, là, on est dans les hôtières. C'est pas le cool. Ah, petit dresseur. Un Galikid, ouais, un Galikid peut être cool aussi. Cool. Gary. Oh, sympa. En fait, je vais attendre. Tous les Pokémon. Griff. Ah d'accord, il y en avait deux. L'évolution et tout. Je sais pas ce que c'est, mais. Ah, les petites autres herbes là. Blou, 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 blou. Ting, ting. Ouch! C'est pareil, est-ce que je capture tous les Pokémon ou je capture ce que je veux? Est-ce que je remplis le Pokédex? Je sais pas si je remplis le Pokédex ou pas, parce que ça me fait un peu chier, mais. En même temps, vous me direz, le but c'est d'attraper les tous, hein, mais. Ah, quand même, essayer de les capturer. Putain, il veut pas le bâtard. Oh, le bâtard. Disons que je suis un pro. Vas-y, c'est bon. C'est quoi, du coup. Quoi, un message. On va essayer de voir. Ah, ouais, c'est tremblement de terre, je pense. Ouf. On va scratcher. Non, je voulais pas faire ça. Vas-y, on le mecha, on s'en bat les couilles.
On s'en parle les coups. C'est coup de boue? Ah ouais, je pensais que c'était. C'était. Séisme, un truc comme ça. Mais en même temps, ça a plus de sens qu'il y a coup de boue à son stade. Putain, on est déjà en PLS maintenant, ça va être compliqué, hein, moi je vous le dis. Je m'adapte là, hein, c'est compliqué. Allez, petite odeur. Pourquoi on a plus que des Pokémon de merde alors que tout à l'heure il y avait genre Lixie? Bah vas-y, on va essayer de le capturer et ça nous fait... Ça nous fait un Pokémon en Pokédex, même si je pense pas le garder dans mon équipe. Bon, si tu captures pas là, frère, je sais plus quoi faire. Hein. Non mais je le prends pour mon Pokédex, je vais pas le garder dans mon équipe. Non mais je le prends, mais je vais pas le garder dans mon équipe, c'est juste pour Pokédex. Calmez-vous. Putain, mais vas-y. Mais moi je veux un Lixer. Je veux un Lixer. On va capturer que des Pokémon mieux, vous allez voir. Attends, moi je veux un Lixie. Protège son territoire. Non, je donne pas de nom. Allez, on va. Je vais voir si je peux pas. Bing, bing. On va aller me dire dans le PC, hein, parce que bon. C'est vrai que Jack Sparrow aurait pu être pas mal. Ouais, maintenant que j'y suis, autant réparer, j'allais dire. Mon Pokémon, c'est un robot, tu sais. Soigner mon petit Pokémon. En vrai, c'est vraiment cool comme Pokémon, tu vois. Genre, un Pokémon de base, vraiment, c'est cool. Après un chrysalis, mon gars, bah non. Bah allez, un petit luxe. Lixie, come back. Attends, y'a pas dans le Pokédex genre où il est. Je trouve que c'était que dans la grotte et je vais pas le retrouver avant longtemps. C'est pas grave, je vais bien en croiser un autre. On verra, on verra, on verra. C'est quoi ça? C'est des fleurs? Putain, je me demandais ce que c'était. C'était trop bizarre. Oh, un Tarsal! Vas-y, ça, lui, je le garde. Y a pas de problème. Un petit Tarsal, c'est cool.
Oula, par contre, je sais pas si je pourrais le capturer parce que. Niveau 8, c'est bien. KO moins. On va essayer d'en retrouver un. Non, mais il serait pas rentré dans la Pokéball, c'est ça le problème. Hein. Bah ouais! On va essayer de le capturer lui aussi. Non, non, mais je vais essayer de tous les capturer. Mais bon, il me reste que deux Pokéballs, quoi, c'est chaud. On va essayer de gagner un peu d'argent. Hein. Je sais pas si tu gagnes beaucoup en combattant et en capturant, on va voir. Tikrun. Et t'es qui toi? Ok. Je sens pas les steaks, mon frère. Je vais aller retourner au magasin de Pokémon juste si je peux pas avoir plus de Pokéball. Et. Bonjour monsieur, je voudrais racheter. Ah ouais, j'ai plus d'argent quoi. Vas-y, on peut racheter une seule Pokéball. Ouais, on peut pas faire n'importe quoi. Les deux prochaines Pokéballs, ça va être pour des Pokémon que je veux parce que. On n'a pas beaucoup d'argent et après on ira les capturer plus. Parce que ça va être compliqué là. J'ai capturé de la merde, j'aurais tellement pas dû. Mais si, quand tu capturais, t'avais de l'argent en capturant, il me semble. Quoique j'ai le doute, je suis pas sûre maintenant. Mais il me semble que tu gagnes un peu d'argent. J'espère qu'il va bien vouloir se laisser capturer, mon gars. Ah bon, je croyais, hein. Il me semblait. Ou alors ça dépendait peut-être des versions. Hein. Ce qu'on va faire, mon gars, c'est que. On va faire ça. Allez, ce serait bien d'avoir un petit Arsal. Pour un petit gala, mon garde-voir après. C'est ce que j'ai fait, j'ai baissé sa défense. Allez, allez, allez. Oui! Yes! Un petit arceau. Ouais, parce que Tarsal, je préfère Tarsal, ça me perturbe trop. On va mettre Tarsal. Non! Quoique, est-ce qu'il va garder son nom après quand il évolue? Non, je crois pas. Bon, c'est pas, on verra. C'est pas grave. Sinon, il s'appellera toute sa vie Tarsal et. Parce que ce sera un grand enfant et puis voilà, c'est tout. Normalement, le nom il reste pas. Je sais pas, j'ai pas beaucoup renommé donc. Ouais, j'ai un décalage avec le chat, mais. C'est comme il y a un décalage entre ce que je suis en train de jouer et ce qui est diffusé. Enfin, pas beaucoup, pas de beaucoup, hein, mais.
Joey. Put it. Squatch. Déjà, on va monter un peu en Brillex et après on montera un peu Tarsal. Tarsal. Et Nirondel, on ira le remettre dans sa boîte. En vrai, tranquille, il y a des Tarsal partout. Je n'ai même pas regardé le niveau de mon Tarsal, je crois que c'était niveau 5. Femelle, je crois. Mais je suis pas sûre du tout. J'irai voir après. Niveau 4, ouais. On est où au niveau de la map? Ouais, c'est vrai que la map a l'air petite, hein. Parce qu'on était là tout à l'heure. Donc en vrai... ça se trouve, c'est là que notre mère, elle est là. Non, c'est Battle Arcade, pas du tout. On était là, je pense. On est arrivé à Aquamines, du coup on devait être par là, peut-être, je sais pas. C'est vrai que la map a l'air assez petite. On verra. Hein. C'est pas une maison, ça, on dirait une maison. Ah ouais, d'accord, pas du tout. Il y avait un vieil homme avec sa barbe, trop bizarre. On va essayer un peu de fermer avant de continuer. D'atteindre au moins le niveau 10, ce serait bien. Au moins le niveau 10 et après on passe à l'autre côté. Putain, il y a des harcèles partout en fait, tranquille. Je vais essayer de revenir de l'autre côté, je peux pas trouver un elixir quand même. En tombant dans les éternes. Vite fait, et après... Oh, ça va, on monte vite en vrai. Puis comme ça, je vais passer par le centre Pokémon. Désolé, hein, moi je suis quelqu'un qui prend assez mon temps dans les jeux. Ça peut être peut-être un peu chiant. Après là, c'est la première partie, donc je découvre un peu aussi. Ouais, de ouf, on aurait tellement de tortues géniales, c'est un truc de ouf. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, puis on dépose. Non, on garde. Non, non, moi mes starters, je les garde jusqu'au bout. On va voir si je tombe sur un Pokémon sauvage là. Genre un Lixie par exemple. Un Sunpin. Tiens, on fait ça ici. Non, non, on va capturer ce qu'on veut, on peut être un Pokédex plus tard. Mais ouais, de ouf, on aurait dit tellement tortue géniale, ça me choque. C'est possible qu'ils soient inspirés d'eux, hein. Vas-y, on fait un petit peu le tour des hautes herbes et après... Putain, il y a que des... Je me pince. Moi ça m'apprend les noms des Pokémon en anglais, hein. Je connaissais pas. Caterpie. Bon.
Ici, on le trouvera pas là. T'es dans la grotte et on le trouvera pas. Ah bah, encore un tarsal. Je sais pas ce qu'il fait avec son pied à chaque fois, on dirait qu'il gratte le sol. Bon allez, vas-y, on va continuer. On va redescendre. Entre temps, on va bien atteindre le niveau 10. Alors. Je vais même pas regarder mon profil. Bah si, tu vois, je gagne de la monnaie en me battant. Parce que regarde, j'avais plus de Pokédollars tout à l'heure. Et là, j'en ai 208. Donc si, en me battant, je dois en gagner, je pense. Ou alors, c'est en me battant contre le mec tout à l'heure. Putain, what? Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que c'est petit. Parce qu'après, il y aura une deuxième région. Comme dans Argent de base. Ou du coup... T'as 20 badges parce que du coup tu fais deux fois. C'est pour ça en fait il y a peut-être une deuxième map et du coup on voit pas. Mais oui, c'est parce que j'ai battu des trésors. Autant pour moi. Hello there! Salut tout le monde! Alors. Ah bah yes, des Pokéballs! Super! Merci monsieur. Hey, tortue géniale, ça va ou quoi? Quoi? Je rêve, il a traité Kirin de loser là. Waiting to battle, frankly. Quel loser! Ouais, d'accord. What? Putain, pourquoi on redevient pas un Pokémon? C'était trop chouette de ce côté-là. C'est grave style sa mère. Oh! Install gamin! Vas-y, je le prends. Je veux trop un... Comment ça s'appelle? T'as un Momartic. Ah mais je crois que le sale gamin il doit être femelle pour que ça soit un... Pour avoir un Momartic. Sinon ça va être un Onigali. On va essayer de tomber sur un sale gamin femelle. Star Gaming. Oh non, un Nosferati encore. Y'a que ça. Vas-y, on va le capturer. On va essayer de tomber sur... Installe quand même. Ça se trouve, on pourrait retrouver un Litchi parce qu'on l'avait trouvé dans une grotte de Litchi au début du jeu. Non! Par contre, tu m'expliques qu'il y a une grotte en dessous là. Allez, femelle, oui! Allez, maintenant, on kidnappe. On kidnappe. Il faudrait que je fasse une autre griffe et en espérant que ça ne soit pas un coup critique. Alors là, si on l'a pas, les gars, je sais plus quoi faire. Hein. Ah bah si on l'a pas, de toute façon, on meurt. Hein. Alors, Pokéballs! Allez. Oui. Je sais plus s'il doit avoir qu'il faut faire des choses strictes pour avoir un Momartic, une pierre, ou je sais plus s'il y a besoin de quelque chose. Je sais qu'il y a besoin
Il faut qu'il soit femelle, ça c'est sûr. Mais les gars, on peut même pas sortir de là. Oh non, encore un peu se faire hâter, les gars. Oh merde, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe. Ah putain, j'avais pas vu. Fais chier. Ah oui. Ça va, j'ai plusieurs Pokémon, c'est vrai. Bah vas-y, on va prendre Tartale du coup. Putain, j'avais oublié, j'avais plusieurs Pokémon. Moi j'étais en mode occasion. Ah le bâtard, il m'a rendu confus. Putain, ils sont trop mignons les petits pieds. Et on me dit pourquoi tu te casses pas et tu fais pas run. Moi je fuis pas d'abord. Fuis pas le combat. Oh mon dieu. C'est la merde mon gars. Est-ce qu'on avait dit qu'on fuirait pas? Non, je crois pas. Je crois pas que j'avais dit ça. Hein. Vous avez mal entendu. Hein. Franchement. Est-ce que je suis un peu lâche? Pas peut-être. Moi je dirais plutôt que je suis stratège, tu vois. Je suis pour la survie. C'est extrêmement lent, hein, désolé. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui avance vite, hein, je l'ai déjà dit, mais. Hop, allez, on continue l'histoire. Allez, on y va, on y va, on y va. Très bien monter niveau 10 quand même. Alors. Bonjour. Hein. Non, lui il va me demander un combat, si t'es sûr. C'est moi ou son bras, c'était trop bizarre la nuit. On dirait qu'il était en pâte à modeler son bras, mon gars. Son pit gay, c'est un roucou là. Je suis pas sûre si c'est bien un roucou ça. Niveau 10. Putain, t'es obligé de lire le panneau sur le côté, quoi, mon gars. Tiens, les Nosferati... Dans toutes les versions Pokémon, maintenant il est saoul quoi. Putain, insupportable. Il y en a partout. Et t'es intéressé par une bataille? Bah, je te demande pas ton avis, je me bats quand même. Putain, y'a ta mère qui t'attend, ça fait des jours que t'es déjà absent là.
Bon, j'espère qu'elle reviendra à temps. J'ai pas essayé d'ailleurs, Sunstorm, c'était quoi? Ah, d'accord. Ouais, c'est ce que je pensais, hein. Je me dis, je crois que c'est tempête de sable. Bien. C'est un de mes Pokémon préférés, Goopix. Hein. Je sais pas vous, c'est quoi votre Pokémon préféré, toute génération confondue, genre. Ça m'intéresserait de savoir, ça peut être intéressant. Le Pokéfan. Pikachu. Oh, il est trop mimes. Vous, c'est quoi votre Pokémon genre préféré de la dernière génération? Moi, j'aime trop l'Anstorien. Et Salarsen qui est pas mal aussi. Je sais pas c'est lequel que vous préférez, mais genre je trouve que Épée Bouclier, ils ont ramené pas mal de nouveaux Pokémon qui sont sympas en vrai. Même si le scénario est pas foufou. Et les évoluer tous les éléphants. Trop fan des éléphants quoi. Mawel! Oula, je vais me faire marave, moi. Oula. C'est pas bon au niveau des affinités. Vas-y, on va envoyer. Ouais, Ponyta de Galar, il est sympa. Mais je trouve que les nouveaux Pokémon de la dernière gen, il y en a des pas mal. Bon, après, il y en a toujours des pas fous, mais... Mais franchement, genre, t'as aussi même Charmini, genre, il est trop mignon, il a plusieurs formes. C'est vrai que Ponyta, même normal, il est cool. Oula. Moi j'aime pas spécialement Stampo. Hein. Genre parmi les starters je préfère Flambino. Et j'aimais bien l'Arméléon, mais une fois qu'il évolue, il est un peu dégueu. Mais oula, c'est un peu la merde mon gars. Mais oui, Charmini, genre toutes les couleurs et tout, c'est grave classe. Oh là là, oh là là, je vais mourir moi. En plus, c'est contre un dresseur, je peux pas. Petite popo là. Est-ce que j'ai aucune stratégie? Bah, enfin, ouais, on va pas se mentir. Ah merde. Vas-y, Criff, on va voir si ça fait beaucoup de dégâts, sinon on va faire une petite tempête de sable. Ouais, ça va, c'est assez efficace quoi. Je
J'espère d'ailleurs demain ou après-demain, je sais pas trop quand ça va être réellement annoncé le nouveau jeu Pokémon cette année là, ou le remake, je sais pas. J'espère qu'il y aura plus les Gigamax et tout, c'est un peu pété je trouve. Je préférais les méga évolutions, je sais pas vous. Je trouve ça sympa. Même pourquoi pas les trucs Z là de Alola là, pourquoi pas, mais c'est juste un gros Pokémon. Alors certains ont des formes sympas, genre comme Charmeleon, Drapeaufeu, etc. Mais et arrête de m'esquiver, vieil homme. Ah non, mais oui, zéro strat, hein, d'accord. Hein. Ces fleurs qui ressemblent pas du tout à des fleurs, je suis morte, JPP. On dirait des donuts. Voilà ce que ça me fait penser, on dirait des donuts. Des donuts qui dansent. La danse des donuts. Pum-tum, 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 pum-tum. Bonjour, je voudrais acheter. On va acheter des popos. Deux petits popos, on en avait pas mal. Un petit peu de Pokéball aussi. Voilà, on a plus d'argent maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? On est pauvres. Ah. Idiot, quoi. Ah, il y a vraiment des gens arrogants de nos jours avec l'âge. Joshua is looking at the lady and you describe it with common single words. Idiot. C'est quoi ce truc de gym? C'est un truc de gym, ça! Non mais frère, c'est pas de la gym, ça, c'est... T'es dans un volcan, mon gars. Je suis à l'arène, là? Ah non, non, non. On va pas dans l'arène, là. C'est pas l'arène, si? Si, ça doit être peut-être l'arène, hein. Ouais, ouais, non, mais oui, oui, c'est l'arène. Hein. Oh là là, excusez-moi, hein, la traduction. Ouais, n'empêche que l'arène de lave, what the fuck. On va pas la faire tout de suite. Déjà, on est que niveau 10. Si on est au moins niveau 15. En plus, si c'est des Pokémon feu. Quoique, mon Umbrilex, il pourrait faire l'affaire en vrai. Sinon, j'ai pas de Pokémon eau. Oula. Attends. On est déjà arrivé à la première ville, les gens. Alors, certes, on n'a pas beaucoup avancé, on va pas se mentir. Mais quand même, on a fait tout ça sur la map. En même temps, la map est hyper petite. C'était vraiment une découverte du jeu, c'était extrêmement lent, j'en suis désolée, je découvre, j'étais en train de découvrir, donc j'avance pas très vite, et puis faut que je ferme aussi un petit peu, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour continuer. Si vous avez des ROM hacks à proposer ou même d'autres jeux, bah n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, dans le chat, peu importe. Si vous avez des envies, bah n'hésitez pas, hein, pas de problème. J'écouterai. Et puis n'hésitez pas à aller sur YouTube où il y aura la rediffusion, sur mon compte YouTube. Et sur mon Instagram aussi, parce que vous retrouverez des sondages, des concours, des petites photos, etc. Qui peut être sympathique, donc c'est bien de suivre aussi le compte Instagram. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Que ça n'a pas été trop lent, voilà, c'était la première, donc c'était un peu lent, voilà, je tiens à m'excuser de ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ouais, je sais, Colosseum, je voulais le faire, mais faut que je trouve une manette pour ça. Parce que du coup, je l'ai, hein, j'ai la ROM. Mais du coup, faut que je trouve une manette pour y jouer. Donc, pourquoi pas, on verra. Colosseum, ça peut être sympa. Je n'y ai jamais joué. Voilà, excusez-moi, la caméra a coupé, j'ai plus de batterie. Donc voilà, je vous laisse juste sur le jeu. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous fais plein de bisous sur vous. Et puis, une bonne soirée à vous. Et puis voilà, ciao!